Hello ma Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour les dépensiers, un haul spécial avec tous mes derniers achats Disney. Alors comme vous le savez peut-être ou pas du tout, je suis extrêmement dépensière et je me suis dit que ça serait marrant de partager avec vous mes derniers achats de collection. Je vais vous mettre en barre d'infos un maximum de liens. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des achats qui vous font envie ou pas du tout. Avec mon anniversaire et ma visite à Disneyland Paris et les nombreux achats sur internet, on peut dire que j'ai fait quelques folies ce mois-ci. Si cette vidéo vous plaît, ce sera un rendez-vous qu'on retrouvera régulièrement sur ma chaîne. Et on commence sans plus tarder les amis. On va commencer avec mes achats à Disneyland Paris parce que pour le coup, j'ai pas trop fait de folie. J'ai commencé par enrichir ma collection de Tsum Tsum, comme vous pouvez le voir. Donc ici on a Clouser de Zootopie qui est un de mes personnages favoris. Comme vous pouviez le voir sur ma vidéo sur les fun facts de Zootopie, il y a un petit Hidden Mickey qui est caché juste ici sur Clouser. On a aussi Figaro de Pinocchio mais qui est aussi le chat de Minnie. Et le chat de Cheshire. J'aimerais beaucoup commencer une collection avec les félins Disney. Le truc c'est que les aristochats sont assez difficiles à avoir et j'aimerais bien avoir Lucifer aussi. Donc si vous avez des astuces pour trouver des anciens personnages Disney qu'on ne trouve plus forcément sur les parcs ou en ligne, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresserait vraiment. J'ai galéré pour trouver Judy et Nick de Zootopie, du coup je les ai commandés sur AliExpress, j'attends de voir la qualité. Mais c'est vrai que si je peux avoir des vrais Tsum Tsum pour le coup, je dirais pas non. Aussi craquer sur des items, le monde de Dory, où on a été gâté niveau merchandising. Mes amis me comparent souvent à Dory parce que j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, enfin, ou de poisson bleu. Et du coup, j'ai trouvé ça assez sympa. J'ai aussi craqué sur ce bro avec Dory donc dessus. Et en fait, c'est ce bro, on le retrouve dans le film du monde de Dory, du coup, je l'aime encore plus maintenant. Et puisqu'on parle de Tsum Tsum, lorsque j'ai été voir le monde de Dory en avant-première au cinéma, j'ai été ensuite au Disney Store, ce qui était une très mauvaise idée. Donc au Disney Store des Champs-Elysées, j'ai craqué pour les Tsum Tsum du monde de Dory qui venait juste de sortir. J'ai craqué sur Oncle Poulpe, dont j'aime beaucoup le personnage. Dory, forcément. Nemo. Oui, c'est bien Nemo. Oui, Nemo avec sa petite nageoire donc sur le côté. Et Marin. En plus, j'ai une bonne excuse pour investir dans les Tsum Tsum parce que comme vous pouvez le voir ici, ça me fait un petit fond sympa pour mes vidéos YouTube. Oui, bah écoutez, on essaye de se justifier comme on peut. Hein. Au niveau de mes cadeaux d'anniversaire, j'ai une amie qui sait que j'aime beaucoup faire des Disney bonding, du coup elle m'a offert ce bracelet, que je ne vous mettrai pas du coup en barre d'infos parce que je ne sais pas du tout où elle l'a trouvé. Et en fait les couleurs blanche et orange me rappellent beaucoup Nemo. Un autre de mes amis qui sait que j'aime beaucoup les courts-métrages m'a acheté le volume 2 de la collection des courts-métrages Pixar, j'ai le volume 1 et donc du coup il me reste plus qu'à regarder celui-ci, je suis vraiment trop contente. J'ai aussi eu ce livre Pourquoi est-ce un chef-d'œuvre sur les films d'animation, donc il n'y a pas que du Disney. J'ai vraiment hâte de le découvrir celui-là aussi parce que ça va me permettre d'avoir une culture plus large sur le cinéma d'animation. Et j'ai eu un coup de cœur sur ce livre que là encore on m'a offert donc je ne sais pas d'où il provient. C'est un carnet Moleskine en édition limitée avec Woody et Buzz, et avec ce carnet j'avais cette petite carte You've got a friend in me, qui est donc la chanson phare de Toy Story. J'aime beaucoup la boîte, donc on m'a offert tout ça dans cette boîte-ci qui est sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. J'ai aussi été à l'exposition Blue Sky au Musée de l'Art Ludique pour mon anniversaire et j'ai ramené quelques souvenirs, deux cartes postales qui sont celles-ci que j'ai déjà encadrées, donc de Scrat de l'Âge de Glace et celle-ci de Rio, j'aime beaucoup Blue, du coup j'ai un peu craqué. Et je me suis aussi acheté le catalogue de l'exposition, que j'ai pas encore eu l'occasion de lire. J'aimerais beaucoup savoir en commentaire si ça vous intéresserait que je vous fasse une review sur ce livre et que je vous donne mon avis sur l'exposition, je l'ai pas encore fait. Vu que c'est Blue Sky et non Disney, je savais pas trop si ça vous intéresserait. Mais si c'est le cas, ce sera avec plaisir que je vous ferai une vidéo sur le sujet. Et puisqu'on parle de livres, je vais aussi vous présenter donc deux livres que j'ai achetés sur Amazon. Le retour de Mary Poppins que je suis actuellement en train de lire pour vous faire une vidéo. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse deviner de quoi il s'agit. Le livre Animation Magique de Don Hahn, que je n'ai pas encore lu non plus, que j'ai trouvé à un prix très intéressant sur Amazon. Je ne sais pas s'il sera encore à ce prix-là, je crois que j'ai dû payer 3 ou 4 euros avec les frais de port. Et on termine avec la catégorie vêtements. Sur le site AliExpress, qui est un site chinois, j'ai craqué pour une paire de boucles d'oreilles que je trouve que ça ressemble beaucoup au type de boucles d'oreilles qui sont vendues sur le Disney Store japonais, donc j'ai craqué. J'ai aussi acheté ce petit t-shirt de Zootopie. Je suis faible, je sais. C'est unisexe, hein, donc je pense que les garçons aussi vous pouvez craquer là-dessus pour le coup.
J'ai pris une taille M et c'est vraiment trop grand pour moi, donc je pense que prenez peut-être une taille un poil plus petit que ce que vous prenez d'habitude quoi. J'ai fait Razzia chez Kiabi qui s'est mis en couleur des derniers Disney sortis, donc on a Alice au Pays des Merveilles avec ce premier t-shirt, celui-ci en gris du coup avec le lapin blanc que j'aime aussi beaucoup. Et ils ont aussi fait une collection Dory et comme je suis faible, bien j'ai craqué. Donc il y a ce t-shirt 100% mémoire de poisson avec Dory dessus. Là par contre c'est exclusivement féminin. Peut-être qu'ils ont une collection homme, j'ai pas été regarder. Celui-ci. Avec plein de Dory partout. I don't know, I have forgotten. Je ne sais pas, j'ai déjà oublié. Voilà les amis, c'est tout pour mon haul pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous vous serez amusé à regarder mes achats. J'espère que votre porte-monnaie ne me déteste pas. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous ma Disney Army. Portez-vous bien. Bye! Confiance. Abonne-toi.